d'un océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, au-delà des frontières, de la langue de ma grand-mère, d'un océan à l'autre, de la plaine jusqu'à à la mer et les chants de mon grand-père au large des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre. L'océan à l'autre, de la plaine jusqu'à la côte, j'oublie tous mes repères, je rêve à ciel des prairies, quelques nuages d'Acadie, la brise de la mer, la couleur de ma terre, au large des prairies. La brise de la mer, la couleur de ma terre. Bonjour, bonjour, bienvenue à l'émission Court Circuit. Bonjour. Bonjour. On vous connaît très bien tous les deux avec vos carrières solo, Dany Boudreau et Jocelyne Baribeau. Comment s'est né ce projet Comment s'est fait la rencontre? Par accident. Ouais, vraiment. Ouais. Puis il y a des regrets depuis. On va en savoir plus là. Ça fait même pas un an qu'on se connaît encore. C'est qu'au mois de mars l'année dernière, longue histoire, on va la raccourcir un peu. Au mois de mars, on a fait une tournée au Manitoba qui s'appelle Les Chemins chez nous. Ouais. Donc on a fait 21 ou 22 spectacles. Pendant la tournée, évidemment, on faisait nos chansons respectives. Puis pendant la tournée, Jocelyne parlait qu'elle voulait faire un nouvel album. Est-ce qu'on pourrait collaborer à des chansons? Donc on a commencé, on a écrit une, deux chansons. On s'est ramassé en studio pour son projet. On a enregistré deux chansons. Et puis à un moment donné, c'est ça, elle a commencé à écouter. Puis, c'est ça, les démos, je les écoutais à maintes reprises avec mon meilleur ami. Puis lui, il a dit, oh, tu sais, c'est super beau. J'ai dit, moi, j'aime bien ça, mais j'ai pas l'impression que c'est mon projet à moi. Puis là, tu sais, il m'a encouragée. J'ai appelé Dany, j'ai dit, Dany, je sais, t'as une vie très surchargée, mais ça tenterait-tu pas à porter un autre chapeau, encore un autre projet de musique? Puis il a dit oui, puis là, on a composé un autre. On est rendu à 10. 10 chansons pour, pour nous autres. C'était prolifique, là. C'était très prolifique. Puis on écrit aussi un peu pour d'autres mondes, un peu. Sans que c'est très facile. On travaille bien ensemble. Une idée mène à quelque chose d'autre. Puis ça fait du bien de collaborer avec quelqu'un. C'est un peu aussi la rencontre de l'Acadie et du Manitoba. C'est vraiment d'Est en Ouest, hein? c'est ça. Puis, en fait, l'album il est fini. Il reste le mastering à faire. La prochaine, ça sort bientôt. Ça sort d'ici le printemps. Puis, c'est ça, on est vraiment deux univers qui se sont croisés. Puis, je pense que
déjà à la base, le blend des voix était déjà installé. Je pense que l'instant, c'est vraiment ça l'instinct qu'on a eu. C'est que c'était une tournée au début de double plateau, mes chansons à moi, ses chansons à lui. On se connaissait, on s'était parlé peut-être 45 minutes avant d'avoir commencé la tournée. Puis là, on s'est rendu compte petit à petit comment nos voix, on chante très facilement ensemble. Alors moi, j'ai pas à trop m'adapter pour chanter avec lui, ni toi non plus, je pense. Ça fait juste, c'est très facile. Alors c'était naturel que ça poursuit en album puis en projet. Mmh. Alors, ça fait du bien. C'est ça, j'ai entendu un extrait rapide de votre test de son, le mariage de vos voix et de vos tons de voix fonctionnait extrêmement bien. Mm-hmm. Est-ce que, en termes de thématiques abordées ou d'inspiration, c'est aussi, vous avez essayé de rejoindre vos deux univers, ou alors c'est quelque chose de tout nouveau qui a germé? C'est assez nouveau, c'est étrange pour cet album-là. C'est vraiment la thématique, c'est soit qu'on parle de personnages ou d'endroits qu'on aimerait voir. En fait, il y a 4 ou 5 chansons qui parlent vraiment des endroits et 4 ou 5 chansons qui parlent vraiment de personnages qui nous ont marqués. Donc, mais si c'est vraiment à force de passer 3 semaines à faire la route avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'était beaucoup de discussions aussi de nos différentes aventures. Moi, je parlais de ma tante Marie-Paul, qui s'est mariée avec un monsieur qui s'appelait Paul, puis comment je trouvais ça drôle, tu sais, Marie-Paul et Paul, Paul et Marie-Paul, puis petit à petit, on se contait des histoires de notre vécu, puis ça donnait que, tu sais, on n'a jamais été en Louisiane, ni à Nashville, alors là, tu sais, ça... Il y a une chanson sur Nashville, une sur Louisiane, alors, c'est vraiment pas mal, peut-être les résultats de cette tournée-là est devenu album, toutes ces conversations-là. Donc, des discussions de char aussi. Oui, c'est ça, quand même un bon fil conducteur par rapport à ça, parce que c'est ça, c'est des endroits ou des personnages qui meublent notre imaginaire aussi, donc c'est là où on se rejoint là, musicalement. Chansonner. Une famille qui
merci, merci. On va vous les présenter. Ils nous accompagnent ce soir au piano et à la voix, M. Jesse Meyer. Exceptionnellement, mon ami, au violon et à la voix, M. Jean-Fred Lizotte. Chez nous, j'ai grandi en écoutant du Merle Haggard, du Johnny Cash. C'était ça, mon vieux country de ma jeunesse. Dans ma jeunesse, on écoutait de l'opéra. Et beaucoup d'opéra. En effet, ma mère gère le festival classique de musique chez nous. Alors, c'était rien que la musique classique, sauf elle chantait une chanson de Crystal Gayle. Et dans les années 70, elle avait des cheveux jusqu'aux fesses de ma mère. Alors, voilà. Mon country à moi. Cette tournée Chemin chez nous, connue sous Home Roots aussi, c'est vraiment des tournées chez les gens, dans la maison des gens. Est-ce que ces rencontres pendant la tournée, ça a aussi inspiré des chansons pour maintenant ou pour plus tard? Ah oui, c'est sûr. Peut-être le prochain album. Peut-être le prochain, mais c'est sûr qu'en cours de route, on a écrit des chansons. Ouais. C'est ce qui a fait qu'on a décidé de faire l'album. Et puis bon, évidemment, l'été dernier, on s'est rencontrés au mois de juillet pour terminer l'écriture. Donc, on s'est rencontrés à Montréal. On a écrit 5 nouvelles chansons pour terminer ce qu'on avait besoin pour l'album. Et puis, ça a donné un projet intéressant, je pense. Moi, je pense que oui. On s'amuse quand même, c'est ça. On s'obstine tout le temps. C'est parfait, les gens aiment ça. Ouais. Elle n'aime pas mon chapeau. Non, j'aime vraiment pas son chapeau. Ben, au moins, vous avez tous les deux un chapeau. Donc, comme ça, vous pouvez critiquer l'un l'autre. C'est ça, mais on va se critiquer, mais c'est correct. On va se... Peut-être le jour après, tu sais, notre anniversaire d'un an comme groupe. Ça va être fini. Ça va être fini. Ou ça va être des nouveaux chapeaux que vous vous offrez. Peut-être. Oui, peut-être. Je peux te trouver un chapeau que j'aime. Ouais. Ah, OK. Quand on vit comme ça à deux endroits du Canada, comment ça se passe, la création? Vous l'avez mentionné, il y a eu une rencontre.
en personne au début, mais sur 10 chansons ou plus, comment ça se passe la création? Ben, ça s'est fait. En fait, on a dû se rencontrer pour écrire les chansons, évidemment. C'est pas super facile non plus, côté les répétitions et tout ça. Là, ça fait, c'est pas du virtuel, c'est pas devant votre ordi. Non, ça s'est vraiment créé ensemble. Puis, c'est sûr que là, au niveau de l'enregistrement, Jocelyne m'a fait confiance au niveau de la réalisation. Donc, moi, je voulais l'amener ailleurs de ce que je faisais habituellement aussi. Et amener Jocelyne aussi ailleurs de ce qu'elle faisait. Ce qui est intéressant aussi, par contre, bon, j'ai amené mes musiciens à travailler sur ce projet-là, mais Jocelyne aussi a amené son guitariste, qui est Murray Pulver, qui est un guitariste très, très connu dans l'industrie, qui a travaillé, entre autres, avec les Crash Test Dummies, avec Dog Walker. Donc, c'est une partie de son son aussi qui est venue se greffer à ce projet-là. Mm-hmm. C'est un album qui s'est fait rapidement aussi. On doit dire que ça s'est fait dans 4 ou 5 jours. Ah oui, quand même. 4 ou 5 jours. Éparpillé, un peu partout. Éparpillé, ouais, c'est ça. Mais vous étiez inspiré, c'est sorti naturellement. Tout à fait, oui. Ça, c'est quelque chose qui est génial et qui est impressionnant en si peu de temps. J'ai vu là aussi, rapidement, parce que j'espionnais avant l'entrevue, votre test de son. En termes de formule de spectacle, vous êtes 4 sur scène. Mm-hmm. Est-ce que c'est comme ça que vous comptez le présenter, ou c'est quelque chose qui va évoluer? Ça varie beaucoup. Là, ici, on est 4. Prochainement, on va faire un spectacle à 2, juste les 2. Mm-hmm. Il y a aussi la pleine formule où on est 6 sur 5. Donc, oui, là, c'est sûr que c'est autre chose. C'est un peu la beauté du projet aussi. C'est parce qu'on a ces parcours-là, chacun, l'un l'autre, avec nos propres chansons. On peut faire des spectacles juste les 2, puis on partage un peu notre répertoire. Là, on fait la première partie d'Isabelle Boulay en duo. Au Festival du Voyageur, j'ai vu ça, c'est génial. Puis là, le lendemain, on fait plein band. Alors, on fait ça juste pour un peu avoir aussi l'expérience de faire les différentes formules, pour nous aussi de voir les nuances qu'on va créer dans ce projet-là. Mais je pense que ça a été un souci aussi au niveau de la réalisation de l'album, parce qu'il fallait arriver à faire quelque chose qui pouvait se présenter avec une pleine formation, mais aussi qu'on pouvait épurer et ramener ça à l'essence de la chanson du départ. Donc ça, c'était important. C'est quoi les points communs entre l'Acadie et le Manitoba? Les espaces et la dualité linguistique, je pense, c'est surtout ça, parce que bon, nous aussi, on vit dans un milieu minoritaire, donc Jocelyne aussi. Donc, je pense que c'est le côté résilient des franco-manitobains comme des Acadiens. Je pense que le fait que les Acadiens parlent encore français aujourd'hui, c'est un tour de force. Et je pense qu'on va le parler pour toujours, parce que c'est un peuple qui est très résilient. Mais c'est la même chose, je pense, pour les franco-ontariens. Manitobains, pardon. Et parfois, ils m'appellent Geneviève. Oui, ouais, ça, c'est souvent. Ouais. C'est beau, ça fait pas un an qu'on se connaît. C'est ça, la beauté. Vous allez continuer à vous découvrir. Nous, on vous découvre à travers les chansons. Ouais. On est vraiment contents d'être ici à Ottawa. Là. Ça nous permet de... Tu sais, c'est vraiment... On n'est pas Winnipeg, là? Qui sait? On est dans une loge, on pourrait être un peu partout. On est dans des loges, c'est exotique. Là. Mais c'est vraiment, on est chanceux d'être là pour pouvoir permettre aussi, comme je trouve qu'à chaque fois qu'on fait un spectacle, ça développe un peu aussi ce que va devenir le projet aussi. Alors, ça nous permet d'avoir cette belle expérience avec une foule où on peut partager ça avec eux un peu aussi, puis voir ce que les gens aiment, ce qui rapporte le plus de bonheur au public aussi. Ah, c'est sûr que c'est un défi aussi, parce que Jocelyne dans sa carrière, j'ai la mienne aussi, donc on apporte chacun nos bagages qui peuvent avoir des côtés parallèles, mais ils peuvent avoir aussi des grandes différences aussi dans ce qu'on présente. Donc c'est d'arriver à marier ça sur une scène, puis de l'offrir au public, qui est le défi, effectivement. C'est un beau défi, parce qu'en même temps, j'imagine que c'est en perpétuelle évolution, et que ça réserve beaucoup de surprises. Oui, à chaque spectacle, toujours quelque chose. C'est interactif. Exactement. On vous souhaite beaucoup de spectacles pour la suite. Ça serait quoi votre coup de cœur, votre rêve? Là, vous allez faire la première partie d'Isabelle Boulay, Festival du Voyageur qui s'annonce bientôt. Est-ce que vous avez une wish list commune d'endroits où jouer? Ben, je pense que déjà, à la base, il y a beaucoup de pourparlers de faire plusieurs régions, de faire des coups de cœur, de faire ça. Je pense que c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire. Je pense qu'on va avoir... On se croise les doigts pour ça, parce que là, ça nous permet d'aller un peu partout dans notre pays, fêter... Le fait, c'est qu'on est dans deux solitudes francophones, nous, mais fêter la francophonie partout au Canada. Je trouve ça aussi, c'est vraiment un plaisir de pouvoir faire ça aussi, puis de fêter
faire rayonner notre langue puis notre culture mm-hmm. un peu partout. Puis évidemment, ben, on a des possibilités pour le repousser parce que moi, depuis quand même plusieurs années, je vais jouer là-bas. Donc, il y a déjà des intérêts pour ce qu'on fait. Ça fait des longs vols, Danny. Oui, ça fait des longs vols, effectivement. OK. Ben, en tout cas, beau séjour, je vous souhaite beaucoup de succès et de faire rayonner votre projet. Merci beaucoup. Merci. Danny et moi, on s'est rencontrés sur le plateau de Pour l'amour du country. Et j'avais été invitée à chanter. Danny chante là en barque depuis combien de temps? 16 ans. 16 ans quand même. Alors, c'est longtemps. Et j'avais chanté quelques chansons. Puis Patrick Normand, qui gère ce show-là, il m'a dit, tu me fais penser beaucoup à Lucille Starr. T'as les yeux de Lucille Starr. J'ai pensé, oh God, c'est quelque chose. Mais parce que j'ai grandi avec la musique classique, je ne connaissais pas Lucille Starr, imaginez-vous. Elle vient de son coin, en plus. Elle est franco-manitobaine, oui. C'est une Savoie. Alors là, tout de suite, en rentrant chez nous, j'ai tout googlé ça à Google. Et j'ai appris beaucoup à son sujet. J'ai trouvé ça assez bouleversant comme compliment de Patrick. Et je l'ai mentionné, on a passé 3 semaines en tournée, puis j'ai dit, j'aimerais ça tellement travailler ça, un texte là-dessus sur Lucille Starr et les yeux de Lucille Starr. Puis Danny a pris un peu de mes 4 ou 5 mots que j'avais dit, puis là, il a travaillé une très belle chanson en duo. Et il a inséré sa voix dans mon projet à moi. Puis on est devenu Beau Séjour au lieu de juste moi. Yeah. Yeah. C'était la naissance de Beau Séjour. C'est quoi, moi? Il s'est imposé, mais je suis contente. Tant d'histoires, tant ton regard et tant de mots dans tes silences et dans le bleu de tes yeux noirs les vagues de la mer en délivrance. Jamais trop tôt, jamais trop tard, tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour, une voix me rappelle toujours que peu importe les détours. Avec tes yeux de Lucille Starr, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta voix, puis ta guitare, tu n'as jamais cherché la gloire. Comme la lumière dans un phare. Bateau le s'égare, la nuit dans la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard, tout comme la marée montante est bien ancrée dans ta mémoire, tant de souvenirs qui te hantent. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour, une voix me rappelle toujours que peu importe les détours. Avec tes yeux la gloire. Avec tes yeux de Lucille Starr, tu iras loin, tu iras fort. Avec ta voix puis ta guitare,
jamais chercher la gloire avec ta voix, guitare, guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. Jocelyne Baribeau, Danny Boudreau.